Aujourd'hui, je vais vous parler de la constitution congolaise. On assiste à un détournement politique et médiatique visant à faire oublier les Congolais le vrai problème qui ronge notre société. Par exemple, les scandales de corruption, la guerre à l'Est, la vie difficile du peuple congolais. Ce n'est pas en changeant la constitution que tout ça va se régler. Non. Je pense que Chilombo a une mission. Et tout ce qu'il fait comme discours, c'est ce qu'il lui a demandé ses maîtres. Alors, Chilombo, rassure-toi que tu vas nous trouver sur ton chemin. Il y a urgence, peuple congolais, que nous nous levons tous ensemble pour barrer route à ces monstres qu'a fabriqués Joseph Kabila. Parce que là, il va plus loin. Moi-même, je viens de lire la Constitution. Oui, il y a certains articles dont je ne suis pas d'accord. Mais ça, c'est pas le moment. Et c'était pas l'urgence, en fait. Si au moins tu étais quelqu'un de capable, qui travaillait bien, qui répondait aux besoins de la République démocratique du Congo. Mais pas toi, Chilombo. Tu n'as pas droit d'échanger la Constitution avec la façon dont tu diriges ce pays-là, avec tes mafieux, ces couleurs que tu as amenées de Bruxelles. Ce n'est pas possible. Tu nous prends pour qui, Chilombo? Hein? Il faut qu'on barre la route à ce monsieur parce que là, il est vraiment en mission. Parce que c'est ça qui va nous pousser vraiment à balkaniser notre pays. Parce que ça, c'est un débat qui n'a pas de sens. En ce moment, ce n'était pas le moment Chilombo. Ce n'est pas ça qui va changer la situation à l'Est. Ce n'est pas en changeant la Constitution que tout va se régler. Non. Et ce n'est pas la Constitution, là actuelle, qui vous empêche de construire le Congo, de créer des entreprises. Des boulots pour des jeunes, des milliers de jeunes qui n'ont pas le travail. Ce n'est pas cette constitution-là qui vous empêche d'entretenir la ville de Kinshasa, qui est la ville la plus sale au monde. Ce n'est pas cette constitution qui te pousse à faire la fête pendant qu'on massacre ton peuple à l'est de la République. Ce n'est pas cette constitution qui t'envoie voler toi, ta femme, ta famille. Et tous tes camarades, copains, mafieux que tu as ramassés à Bruxelles, ce n'est pas cette constitution. Cher monsieur, si tu as une mission, là, je t'appelle monsieur même parce que je n'ai aucun respect envers toi, Chilombo. Parce que là, c'est trop. Tu as tellement joué avec le peuple congolais, là, je n'en peux plus. Je ne sais pas comment on te laisse faire. S'il vous plaît, soyons tous unis ensemble pour empêcher, pour barrer la route à Chilombo. Je ne pense, il faut même pas laisser Chilombo finir son mandat, parce que là, c'est trop, il nous pousse à bout. Et c'est lui, avec ses débats-là sur la Constitution, c'est ça qui risque à nous amener dans des choses qu'on va regretter plus tard. Il faut barrer la route, s'il vous plaît. Moi, je viens de lire cette Constitution. Je ne vois pas l'urgence, en fait. C'est vrai, il y a des articles où moi-même, je ne suis pas d'accord, mais ce n'était pas le moment. Surtout pas en ces moments, Tshisekedi. Pas en ces moments, s'il te plaît. Chilombo, ce pays ne t'appartient pas. Ce pays n'appartient pas à ton père. Ce pays n'appartient pas à votre famille. S'il vous plaît, il faut arrêter de jouer avec le peuple congolais. Il faut arrêter. Tu n'arrives à rien faire. Tu ne travailles pas bien. Tu voles l'argent du contribuable avec ta femme, ta famille. Vous êtes là depuis que vous êtes là, qu'il y a des scandales, des détournements. Ça, c'est cette constitution qui vous envoie à faire de bêtises comme ça. C'est cette constitution qui t'avait envoyé de jouer les matchs de foot avec Macron à Paris pendant que ça brille, on massacre à Goma. C'est cette constitution qui t'envoie à faire de fêtes. Franchement, soyons sérieux, ne nous laissons pas faire, chers Congolais. Il y a urgence qu'on s'élève, qu'on élève un peu le débat, qu'on puisse avoir des débats intellectuels pour notre société. S'il vous plaît, il y a urgence parce que là, c'est trop. Chilombo, il va plus loin. Déjà, il le nie, incompétent, inconscient, incapable, il travaille pas. Déjà, il le nie, incapable, inconscient, en fait. Si tu étais vraiment un vrai patriote intègre, comme les Ibrahim à Traoré, les autres là, en fait. On pouvait peut-être comprendre. Pas toi, Chilombo, s'il te plaît. Qu'est-ce qui va pas avec toi? C'est la mission qu'on t'a envoyée. C'est la mission, c'est ce que tes maîtres te disent de faire en ce moment pour nous détourner de vrais problèmes qui rongent notre société. Toi, tu crois que vraiment, nous, on va te laisser faire. Tu n'es ni patriote, ni intègre. Tu n'es pas au service du peuple congolais. Toi, tu n'es pas au service de notre pays. Tu n'es pas là pour nous. Tu travailles pour les intérêts de nos ennemis. Tu n'es pas intègre. Si au moins tu étais un vrai patriote, tu avais l'amour de ce pays, tu étais intègre. Peut-être, mais non. Tu n'es pas intègre. Tu n'étais pas là pour le peuple congolais, Chilombo. Tu sais pourquoi tu es là. Mais nous, on ne va pas te laisser faire. Congolais, ne nous laissons pas faire. Parce que ce n'est pas ça.
Cette constitution qui envoie Chilombo à faire tout ce qu'il fait comme scandale avec son gouvernement. Non, je dis stop et non, on ne touche pas à notre constitution, surtout en ce moment. Stop à ce débat à deux balles. On ne touche pas à notre constitution. J'ai dit et je vous remercie, Zenobita.